Vous êtes à la recherche du meilleur rongeur pour pouvoir empiler les kills sur Apex, CSGO ou encore être le plus précis possible en lâchant vos ultimates sur LoL et Dota? On vous a déniché un top des meilleures souris disponibles sur le marché en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêt à découvrir les meilleures souris filaires pour le gaming en 2020? Alors on y va! Comme d'hab, on vous indique dans la description les liens vers les prix les plus à jour, alors jetez-y un coup d'œil régulièrement si vous voulez les prix les plus bas. Top 5. Razer Deathadder V2. N'allez pas croire que cette souris est mauvaise parce qu'elle est en 5ème position, mais la compétition est rude de nos jours et la technologie est de plus en plus accessible aux constructeurs pour pouvoir faire des souris à des prix toujours plus bas, et c'est celle qui affiche le prix le plus élevé de notre top. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser présager, il s'agit de la 6ème mise à jour de la fameuse Deathadder, qui était déjà une grande favorite des gamers. Le capteur optique a encore été amélioré par rapport à la version précédente, la Deathadder Elite, et est maintenant censé approcher le micron et demi vu qu'il brandisse un chiffre ahurissant de 20 000 CPI, jusqu'à une vitesse de 16,50 m par seconde à une accélération de 50G. Elle a aussi au passage été allégée d'une vingtaine de grammes. Mais étonnamment, une de ses plus grosses améliorations par rapport aux versions précédentes est le câblage. Là où le câble donnait parfois un peu de résistance à la souris, ici on a une version beaucoup plus souple qui donnera à réfléchir même aux amateurs des rongeurs sans fil. On est donc ici sur une souris agréable à utiliser, surtout si votre mimine n'est pas trop petite. Son câble est l'un des plus agréables à utiliser et son soft lui permet pas mal de personnalisation, avec 5 profils sauvegardables sur la souris en elle-même. Le niveau est haut cette année, et surtout, comme on va le voir dans le reste de ce top, chez Razer. Mais chut chut, pas de spoil. Ses avantages: la précision et la fréquence, le câble souple et très confortable. Ses inconvénients: un peu imposante pour les petites mains et la roulette qui manque d'un mode lisse. Top 4. Razer Basilisk. Si Razer a fait un refresh complet de sa gamme, ses anciennes offres ont maintenant baissé de prix et les classiques restent d'excellentes machines à frag. C'est le cas avec la Razer Basilisk, très bon avec de la Thomast et de la Mozzarellast. On est ici avec une excellente souris qui se situe sous la barre des 50€, et franchement, elle n'accuse pas son âge. Ses performances sont très bonnes, 16 000 CPI, et permettent une précision digne des plus récentes. Son prix lui permet de dépasser le rapport qualité-prix de la Deathadder V2, mais vous aurez aussi des options de couleurs, blanc et rose en plus du noir. Ce qui peut faire une grosse différence pour les plus regardants à l'esthétisme de leur bureau. Son câble est un peu trop rigide par contre, et rendra l'ajout d'un support à fil conseillé. Un de ses plus gros avantages est la gâchette sniper sous le pouce, qui permettra une modification de la vitesse tant qu'il est pressé. C'est vraiment utile dans certaines situations de visée où vous voudriez plus de vitesse ou plus de précision. Le bouton est aussi interchangeable pour pouvoir l'allonger et ne pas risquer de le presser par accident, selon la taille de la main. Il existe aussi une version plus récente de la Basilisk, mais qui est un peu trop onéreuse pour rentrer dans ce top 5. Ses avantages: son prix, la précision, le confort et le bouton sniper. Ses inconvénients: le câble et la taille et le poids. Top 3. HyperX Pulsefire Surge. Vu qu'on influence nos choix par rapport au rapport qualité-prix, on tombe ici sur une des meilleures propositions à bas prix. Sous la barre des 40€, on a un senseur à 16 000 CPI, de très bons switch, des patins très larges et une mémoire de préconfiguration, tout ce qu'on attend sur une bonne souris gamer, avec en plus un pourtour RGB des plus flashy pour les amateurs des lumières colorées. HyperX est allé à l'essentiel de ce qu'on demande à une souris, tout en ne tapant pas trop haut dans les prix. Ça rappelle un certain casque, non? Petit lien des meilleurs casques gaming dans le coin pour les retardataires. Pour le budget, on a un feeling très solide, avec un plastique extrêmement confortable et une ergonomie simple mais efficace. Que pourrions-nous demander de plus, sinon un programme qui soit un peu moins plantouillant? C'est que ce driver lui coûtera malheureusement les premières places de ce top, parce qu'il faudra s'y prendre à plusieurs fois pour enregistrer vos presets, parfois, et de temps en temps relancer l'app. On se rappelle cependant que les erreurs logicielles peuvent parfois être corrigées avec le temps, et si HyperX s'y met, on changera l'ordre de ce top plus tard dans l'année. Mais si vous voulez juste du clic basique et une précision redoutable, allez-y, les yeux fermés. On a ici une des meilleures propositions du marché pour un prix somme toute très raisonnable. Ses avantages: le prix, le revêtement, les patins très larges et le pourtour RGB. Son inconvénient: le logiciel parfois capricieux. Top 2. Logitech G502 Hero. Là où Razer nous propulse à la pointe des technologies, parfois au prix de la durabilité, il est une firme vaudoise dont on sait qu'on a la fiabilité à toute épreuve.
Logitech, surtout quand il s'agit des souris. Même en mettant mon côté fanboy hors ligne, je monte cette vidéo avec une MX Master 3, on ne peut que reconnaître que si ce n'est pas toujours dans les fonctionnalités flashy sous la main, on sait au moins qu'on va pouvoir durer quelques années au minimum avec un rongeur suisse. C'est le cas avec la G502 Hero, qui a l'audace de se placer à un prix somme toute raisonnable sous les 60€. On a un feeling très agréable, avec un look audacieux, un revêtement qui fait premium, tout en proposant des fonctionnalités plutôt intéressantes. On peut la lester grâce au poids fourni dans la boîte, qu'on peut insérer dans sa base pour pouvoir l'équilibrer selon votre préférence. Le capteur est lui aussi à 16 000 CPI, avec un taux de rafraîchissement à 1000 Hz, très précis, très rapide. Là où Logitech a pu pêcher sur le passé, au niveau de Logitech Gaming Software, on a maintenant une expérience proche de la perfection avec le G-Hub. Le programme est responsif et intuitif. La roulette débrayable est très pratique, même si elle n'est pas au niveau de la Master 3. On peut alterner facilement à l'aide d'un bouton, du défilement par à coup, au scroll infini. Par contre, en mode débrayé, elle a tendance, sur notre modèle en tout cas, à trembloter un peu, ce qui peut être frustrant lors du scroll précis. On a donc une souris élégante et moderne, un peu angulaire mais très confortable pour les petites et moyennes mains. Elle est parfois un peu étroite pour les très grosses mains cependant. Le tout avec un prix très raisonnable et de très bonne performance. Ses avantages: la précision, le confort, le design et la roulette débrayable. Ses inconvénients: cette même roulette qui est parfois un peu capricieuse et un peu étroite pour les grosses mains. Top 1. Razer Viper eSports. Mise à jour de la Viper, elle a tout pour plaire, notamment le fait qu'elle soit ambidextre, ce qui plaira d'office aux gauchers qui ne veulent pas payer un premium pour les modèles miroirs pas toujours faciles à trouver. On a ici une souris très légère, très confortable, avec un design sobre et élégant. Avec son capteur 16 000 CPI, on a une précision parfaite, grâce à ses switches optico-mécaniques, le clic se fait sans compensation du rebond en logiciel. On a donc une excellente responsivité de l'appui des boutons. On bénéficie sur cette nouvelle version du câble souple de Razer qui offre presque aucune résistance lors des mouvements du poignet, comme on aura pu voir dans la Death Adder V2. Sa silhouette est aussi plus étroite que ses consoeurs de la marque, ce qui lui permet plus de compatibilité avec les petites mains, là où pêche parfois Razer sur les autres modèles de ce top. Au final, il n'y a pas grand chose à dire sur cette souris, parce qu'il n'y a pas grand chose à redire sur cette souris non plus. On est sur une forme excellente, avec de bons boutons et une forme symétrique, y compris au niveau des boutons précédents et suivants, qui seront de l'autre côté aussi, qui lui permettent une accessibilité maximale pour les fausses pattes qui désespèrent de voir les souris ergonomiques très spécifiques aux droitiers. C'est en partie grâce à ça qu'elle décroche la première place de ce top, ça et son prix plutôt raisonnable pour sa liste de fonctionnalités. Allez-y les yeux fermés si vous êtes à la recherche d'un bon rongeur sobre et accessible, et courez si vous êtes gaucher. Ses avantages: ambidextre, la précision et la responsivité, son câble souple et sa légèreté. Ses inconvénients, on n'en voit pas vraiment. En conclusion, nous avons donc la Razer Death Adder V2, la Razer Basilisk, le HyperX Pulsefire Surge, la Logitech G502 Hero et la Razer Viper eSports. Voici qui conclut notre top des meilleures souris filaires orientées gaming de 2020. On vous tape tous les liens dont vous aurez besoin pour les trouver au prix les plus à jour dans la description. Et vous, sur quelle souris vous orientez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Instagram et Facebook. Et si vous avez aimé notre top, abonnez-vous et faites-moi sonner de la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Nichards.